Wow! Elle est de retour. Rebaptisé au nom de l'Euro 5, un brumisateur d'essence, un capteur O2, ABS et un générateur de gros ampères pour alimenter le tout. Le monde a changé tant et plus, mais le KLR juste tant. C'est toujours le single des années 80 que nous connaissons tous par cœur. Il tremble comme un moteur à vapeur, boit comme un diesel, fait la moitié de la puissance de KTM, mais dans la verdure moderne, il est 45 kg plus lourd. Mais autant que c'est une moto des années 80, c'est la moto parfaite des années 80. Quand vous gelez un modèle pendant deux générations, vous apprenez juste ce qu'il faut mettre à jour. Un tracteur perfectionné peut faire 98% du travail d'un T7 pour la moitié du prix. C'est la moitié du prix. C'est la moitié du prix. J'ai juste peur qu'entre notre inflation moderne et notre obsession pour les fiches techniques, les jours du faire bon marché soient terminés. Kawasaki a élevé le KLR juste assez pour voir un second coucher de soleil.